Still bright. Je n'ai jamais voulu venir à Castille. Mes parents m'ont forcé, même s'ils savaient que j'avais un petit ami. Je suis vraiment désolée de vous faire subir ça. Je veux juste rentrer chez moi avec mon petit ami, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr, Lady Léonore, vous êtes indigne de mon fils, le prince Théodore, puisque vous êtes amoureuse d'un autre. Maintenant, retournons tous au bal. Mon père, puis-je avoir un moment? Bien sûr, fils. Tu n'avais pas prévu de renvoyer le nom chez elle. J'ai vu la façon dont tu regardais Apollonie. Tu as promis que tu la jugerais équitablement. Et je te rappelle que je l'ai choisie pour ma première danse. Ce n'est pas parce qu'elle est habillée comme une dame qu'elle en est une. Elle n'appartient pas à notre monde, Théo. Tu as tort et je vais te le prouver. Regarde la paix. Elle est venue ici pour moi. Apollonie est une dame et elle est digne de mon cœur. Seriously? Elle semble si gentille, Théodore. La journée a été longue. Retournons tous au bal et ne causons pas d'autres drames. On retourne au bal? Non, j'ai besoin d'air. Veux-tu voir les jardins? Oui, bien sûr. Waouh! Regarde toutes ces lumières! Oui, les jardins du palais sont éclairés la nuit. Laisse-moi te montrer. C'est bon, Théo. Il est coincé dans ses habitudes et j'essaie vraiment de jouer selon ses rêves. Mais il refuse de me rencontrer à mi-chemin. Tu n'étais pas censé donner la bague à quelqu'un comme moi? Il est prévu que je puisse inviter une noble dame. Oui, mais ce n'est pas écrit dans la loi. Et je ne leur ai pas dit que je t'avais invité parce que je n'étais pas sûr que tu viendrais. Parce que je ne savais pas ce que ce serait une grande décision de venir ici. Eh bien, c'était une grande décision. Mais même si ton père m'avait renvoyé chez moi ce soir, je ne l'aurais jamais pas regretté. Wow. Parce que moi, je saurais que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne laisserai pas t'éliminer. Je t'aiderai à te préparer pour la première épreuve. Tu as dit que la première épreuve est physique. Oui, l'équitation. Peux-tu monter à cheval? Non. Je n'ai jamais monté à cheval avant. T'inquiète pas. Je t'apprendrai et nous avons les meilleurs chevaux d'Europe ici. Demain matin, nous irons faire du cheval, juste tous les deux. Le deuxième défi est légèrement plus intense. Je suppose que tu n'as jamais parlé aux médias avant dans une interview officielle. Jamais. Les médias sont des serpents. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour te faire trébucher et te piéger. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Je le suis. Je déteste les médias. Pourquoi? Parce que j'ai vécu toute ma vie avec eux, se cachant derrière.
Même quand j'étais enfant, avant de comprendre qui était ma famille, il m'harcelait des questions. Puis il faisait de gros titres ou les déformait mes mots. Il m'arrive encore de me figer. J'ai toujours souhaité avoir quelqu'un qui puisse intervenir et m'aider. Avant, c'est terrible. Quand tu grandis dans la royauté, rien n'est privé et tu es constamment paranoïaque à propos de ce qu'ils vont publier sur toi. Je me suis même demandé. Viens avec moi dans un endroit un peu moins ouvert. Une partie de moi, quand je t'ai donné la bague, il y avait une petite partie à l'arrière. Et si tu allais voir la presse et vendais notre histoire, le vendre la bague et tous les sentiments bruts et pitoyables que j'ai déposés à tes pieds cette nuit-là, tu aurais pu si facilement. Tu aurais gagné beaucoup d'argent à mes dépens en te moquant de mon propre cœur stupide. Je ne t'aurais jamais trahi comme ça, Théo. Jamais. Cette nuit-là, nous avons partagé quelque chose de spécial. Je ne sais même pas comment on le décrit. La destinée, oui. Tu m'as dit que tu avais toujours cru au destin. Le ressens-tu maintenant avec nous? J'y crois. J'y ai toujours cru. Je suppose que c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin à emprunter pour moi. Mon destin est d'être roi de Castille. Je me demande donc si le destin nous a guidés ensemble parce que tu sois la princesse à mes côtés. Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a des centres. Ok. A Canori, dédine-moi. J'ai un regret. Qu'est-ce que c'est? Oh my God. He's regretting, not kissing me that night. Sorry. Il est grand temps. I like my eyes there. Black, white, look cute. My small nose. That nose will actually look like my nose. Sérieusement. J'ai rêvé de ce moment, c'est vrai? Depuis que je t'ai vu dans la rue en train de maudire mon nom, je ne maudissais pas ton nom, espèce d'idiot. Il te serre encore plus fort alors que votre désir s'intensifie. Ah, finally. Même si je déteste être celui qui met fin à tout ça, je dois appuyer sur les freins. Nous devrions vraiment retourner au bal avant que ma mère ne remarque notre absence. On peut avoir une déclaration de vous deux? Tu te sens anxieux, Théo? Dois-je intervenir à ta place?
Toi et moi, nous nous sommes rencontrés par pur hasard. Il m'a invité à concourir. Je peux déclarer qu'elle est la précurseuse de mon cœur. C'est une déclaration audacieuse. Le public va adorer que vous soyez déjà amoureux. C'est très rapide, mais parfois le destin vous pousse dans la bonne direction. Comment vous sentez-vous par rapport à toutes ces compétitions? Je me sens confiante, bien sûr. J'ai confiance en ma capacité à réussir et je sais que Théo sera à mes côtés tout au long du chemin. Elle est très certainement. On peut prendre des photos de vous deux? Ça me va. La sorcière vient déjà me déranger. Hein. Leçon numéro 1, les paysans doivent baisser les yeux face à la noblesse. Appelle-moi encore une fois paysanne et vois ce qui se passe. Mon nom est Madame Cordelia von Manteuffel. Hey, je comprends pour quelqu'un de ta race. Alors laisse-moi t'instruire. Est plus ancien que ceux du prince. Depuis des générations, des membres de ma famille ont épuisé. Je connais le prince Théo depuis que nous sommes enfants. Tout le monde dans le palais sait que le roi va me choisir pour être avec lui. La tradition des fiançailles n'est rien d'autre qu'une cérémonie destinée à plaire à la presse. Comprends-tu ce que je dis? Je te proposerai de l'écrire. Je me fous de ça. Okay. Je comprends ce. Il me semble que c'est toi qui as besoin d'une éducation. Alors permets-moi de t'en donner une. Et ne t'inquiète pas, contrairement aux écoles coûteuses que tu as fréquentées, je comprends que tu aies été invité ici, mais devine quoi? Rayon de soleil, je l'ai été aussi. Et j'ai été invité personnellement par le prince, pour ce que je suis, pas pour ce que ma famille est. Alors, je comprends que tu sois un peu intimidé par ça, et que tu aies senti le besoin de venir taper au pied ici, pour essayer de me faire. Mais malheureusement, je n'achète aucune de tes conneries aujourd'hui. Je demande donc de prendre le reste de tes amis en plastique et de quitter ma chambre avant que je ne sorte les poubelles. Oh, désolé, je pense que cette métaphore pourrait être perdue. Sortir les poubelles, c'est ce que nous, les paysans, faisons quand nous voyons des ordures. Tu viens de me traiter d'ordure? Je l'ai fait? Tu veux que je te l'écrive pour toi? Ça t'aiderait-il à comprendre? Je n'ai jamais été aussi insultée de toute ma vie. Ne t'inquiète pas, on en a encore des semaines ensemble. Tu vas le recruter sale ou routière. Marque mes mots. Bien sûr, madame. Maintenant, tu sais comment fonctionne une porte. Où dois-je te le montrer? Elle réfléchira à deux fois avant de m'embêter à nouveau. Sérieusement? Qu'est-ce que tu veux cette fois? Mon Dieu, est-ce une façon de saluer ton futur mari? Que veut Théodore? Et si tard dans la nuit, continue de lire pour découvrir.